J'ai hâte de voir ça, honnêtement. J'ai hâte de voir si Rift Space des pitons, il va juste faire des smash comme s'il jouait à Limor. J'espère que ce sera pas le cas. Mais on peut vraiment voir le cerveau d'un joueur de Limor, voir si c'est rangé, je fais des smash ou si je suis actually smart. Puis ouais, on va voir comment ça va. Je pense encore une fois, la job de Lucina, vraiment rester sur le stage. Je connais vraiment mal Joker, mais je pense que son but dans la game, ça va être de faire des Rebels Guard, puis de faire des side B. Faire des side B avec le stage. Peut-être essayer de faire des petits combats avec Gantilt, genre à tout bout de champ. Mais je pense que dans son plan, ça va être de jouer défensif chez l'enquête Arsene. Chose qui se passe en ce moment. Pour que tu puisses vraiment comme cheeser les stocks plus bas. Surtout pour Lucina qui est quand même. Pas tant de misère à recover horizontalement, ben verticalement, mais horizontalement pour avoir pas mal de misère. Mais non, je pense que ça look. Wow! Holy Walk a vraiment beaucoup l'avantage. Wow! Impressionnant. Bon, et vous voyez que un joueur de Limor, c'est pas tout à fait brain dead. Ça peut avoir un cerveau de temps en temps. Mais surtout notre Holy One, il y a vraiment beaucoup. Wow! Reverse Dolphin Slash. Is this melee? Puis ouais, vraiment. Comme j'avais prédit. Mais je trouve que Holy One joue vraiment agressif pour un Joker. Vraiment, ça me surprend. J'ai rarement vu les Jokers jouer agressif de même, à part le mien. Mais le mien, il est pas très très talentueux. Et Arsene on deck, voir ce que ça va donner. Toujours plein de side B. Oh non! Il se suicide quand j'avais plus de jump, je pense. Oh non! Unfortunate. Vraiment unfortunate. Wow, that sucks. Il y avait l'avantage, il a toujours le win. Le flow qui va faire des lucinatins, qui arrive sur le stage, swing son épée around puis sauter. Je pense que. Ce sera pas le Trump par exemple, on peut pas permettre cette magnifique chose. Oh, le beau reverse control B. Ça, c'est vraiment du technical stuff. Side B qui va pas hit Floyd. Malheureusement, mais elle va lui donner une safe recovery au moins. Et il s'en va dire avec le frère, se suicide. Quel dommage. Oh! Allô? Attends, là, il y a Sylvie qui a une conversation au téléphone, puis j'ai hâte de voir c'est qui, parce qu'il a l'air vraiment dans le corps. Oh oui! Oh non, ben ça c'est. Fais donc la tête. Ellie, dans le fond, j'avais une carte en Game 2. Switch à Limor assez rapidement. 1-0 pour Floyd. Son Joker est bien commencé. Sérieux, il y a eu le clip avec son spike. Mais c'est malheureusement fait quand même bourrer le reste des stocks. Wow. Déjà, 38% de backup. Never mind. Faites-moi ça close. 62. Wow. Holy One sérieux. Quand il s'est pas touché, il gagne. Là, Holy One à center stage. Oh, Lucina, back au milieu. Là, il va essayer d'être patient, mais Holy One va être encore plus patient. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Lucina est quand même limité dans ses mouvements dans les airs. Et, on smash, read the roll in. C'est fini là. Ta stock est parti, mon cher. Là, je pense que Holy One va vraiment sortir une tente et va vraiment commencer à camper pas mal. Oh! Ça va dire pour l'Edgeguard. Il manque son Edgeguard. Pikmin Blue on deck. Oh! Il y a un Pikmin Blue. Ça va servir pour un grab. Là, c'est Pikmin Rouge qui est dans le deck. Mais c'est le bleu. Oh! Ok. D'ici là, c'est un stage. Je vais même mettre son jeu du mort. Il va pas trop commettre sur le bord de l'Edge. Oh! Pikmin Blue grab. Félicitations. Hey, Dr. G! Me parlais-tu un verre d'eau, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ça a l'air d'être. Wow. Doc Holly avec le center stage qui va genre vraiment garder. Hey, merci beaucoup de soutenir, commenter avec moi. Let's go. Mais. Je suis pas bon pour commenter. C'est pas grave. Dis qu'est-ce qui se passe. Puis ça en masse. Donc on voit que Floyd veut y aller pour le F-Smash.
effectivement. Hollywood qui va, là, qui est au center stage, qui va vraiment reculer, sortir sa tente, faire une campée de 3 nuits. On va y aller avec le grab back throw qui. Ça mènera à rien, malheureusement. C'est le back throw. Pikmin stick. Tu sais, j'aime vraiment comment Hollywood fait juste comme reculer, pitcher un Pikmin, puis il recule. Pas rouler, oui, mais... pas rien, juste courir par l'arrière. En même temps, on dit que les joueurs de Hollywood, ils se sucent parce que justement, ils font juste ça, reculer, mais en même temps, tu sais. Olimar, c'est un personnage qu'il faut que tu réussisses à connecter tout le temps, puis tu fais, faut que tu fasses vraiment attention parce que tu es ultra léger. Donc, tu sais, un F smash, genre à 80%, tu meurs. Là. Ah oui, clairement, clairement. Puis ils disent oh, le shield break! Je pense pas qu'il est mort, mais ça reste un 50% d'en face. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il aurait pu y aller pour un petit setup et du park, là, personnellement. Oui, mais on sait que Floyd veut y aller safe. Surtout que c'est contre Hollywood, donc, tu sais. C'est du monde qui se connaissent quand même bien, fait qu'ils veulent vraiment jouer safely chacun de leurs balles. Ouais, je pense que là, Hollywood est rendu vraiment une game de comme. Il a perdu Center Stage, oh, il l'a gagné, mais de vraiment juste pitcher des Pikmin, Space Six, tu vas faire. On est pour un bon Smash ou Force Smash. Oli qui a deux Pikmin mauve puis un bleu. C'est à peu près un bon agençage. Oh! Ouais, c'est à peu près 60% si tu touches une fois. Hein. Les Air Smash qui connectera pas malheureusement pour Hollywood. 3! Oh! Et là là! Une pluie de météorites. Le back air! Back air! Let's go! Wow! Hey, c'est des belles games qu'on voit là, j'aime ça! J'en veux plus! Mais c'était quand même close à la fin, là. C'était vraiment serré, t'sais, on voyait vraiment que chaque joueur voulait jouer vraiment safe et chacun de leur bord attendait voir que l'autre fasse une erreur. Donc c'est ce qu'on a vu à la fin avec le back air de. De Olimar, qui réussit à connect. Vraiment, c'est impressionnant pour des joueurs de Sherbrooke jouer autant patient que ça. Il me semble que c'est rare que je vois Sherbrooke en général jouer patient. Let's go! Hey, Bourian is back! Fait que. Ciao, guys! Ouais, bye, Dr. G, merci d'être commenté ce corps de game-là avec moi. Ouais, moi, reste là, je vais faire la radio. Ok, ça va, je peux rester. Les gens ensemble. Tout le temps. Deux personnes qui sont awkwardly en train de commenter, qui commentent ensemble, ce serait pas pire. Ah, oh, man. Ok. Oh boy, Oli on est back. Oh, Floyd est à 50%, je sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus. Et Oli qui perd presque sa stock. On voit que Floyd il va vraiment low pour aller chercher dans Oli One. Super bon, mais c'est malheureusement meilleur, il n'y a pas de Pikmin. Ça serait un peu ça meilleur si avait des Pikmin. Ben c'est sûr qu'avec les Pikmin, une fois que t'as ton Down Smash là, qui est connecté, ça va vraiment bien. Après ça, tu peux follow avec quand même une couple d'affaires. Là. Clairement. J'aime pas le black screen qu'on a une fois de temps en temps. Non, effectivement, c'est comme agressant un peu. Hein. Ouais. Je sais pas s'ils le voyaient en stream par contre, eux. Là. Oh, nice! Oh, le tech! Enfin, il y a eu qui réussit à le tech. Clairement, il a pas appris tu vois la semaine passée. Jab, forward smash. Nice. C'est juste ça, je pas de le Pikmin blanc qui va donner 5% à toutes les fois. Hey, 4% de plus, je vais pouvoir faire dans le drop tilt. Oh wait, mauvais bonhomme. Est-ce que t'es con? Là, oh, ok, je m'attendais à un smash. Oh, un fair. Fair down. Qui va tuer? Fair dans le visage. Soigne les Pikmin autant que tu veux. Mais c'est sûr qu'il est rendu à 159% pour Floyd. Read ça en maudit. Je trouve ça dangereux comment Oli, genre, il shield beaucoup. Il s'est déjà fait shield break game 1. Il shield beaucoup, mais on dirait qu'il veut comme... Tu sais, il va vraiment safe pareil, là. Mm-hmm. Même s'il shield tout le kit, ça range pour pas que... Non, juste qu'il fasse shield déjà à 80%. Déjà, oh, la stock est partie. Un bon read de la high recovery de la part de Floyd, vraiment... Wow. On voit que Hollywood s'est fait download. Le down smash qui va toucher, mais le Pikmin move qui va venir à la rescousse de Hollywood. Toujours. Et Reed a fait sa place. Est-ce qu'il va recover high? Non, ça va se faire l'eau. Oh! Oh! Le Oh! Manque c'est le valeur. Pis après ça, on dit qu'il est first sur le PR, j'en reviens pas. Manque, je recover encore. Wow! Hey, sérieux, j'en reviens pas comment Oli recover bien, man. Ben, Oli, ce qui est fun à regarder, c'est qu'il va vraiment recover d'une quelconque manière pour. Comme là, genre. Tout le temps il safe. Juste à croire à Claude qui allait super bas. Non? Ah, never mind, je remonte. C'est ça. Tu sais, Oli, il a tendance à vouloir comme y aller greedy des fois. Mais quand il joue contre Floyd, là, c'est vraiment safe. Ah oh, ouais, clairement, parce qu'il sait qu'il peut gagner, mais que s'il joue n'importe comment, il va exactement. Se faire catcher. Ils ont voulu y aller pour le down air, mais malheureusement, ça n'a rien connecté. Et Oli commence à capoter un peu, puis juste un peu flick son stick around. Je pense qu'il commence à avoir une certaine Il lave son stick.
Ouais, clairement. Comme Doom XD contre Lug. D'ailleurs, Lug est dans le chat. Allô, Lug, c'est encore là. What's up, Lug? Hey, ça fait un bruit qui a envoyé ça. Je sais pas si c'est encore là. Hey, oui, encore on là, a vu un whistle qui a réussi à le sauver d'un. Ben oui, on voit que les deux joueurs. SSB 42. Lui, il joue dans le futur. On était à SSB 5. Lui, il était à 42. Let's go. Moi, je suis Dr. G. Wow. Ok, je pense qu'il avait stick à son bleu pour pouvoir payer un grab potentiellement. Moi aussi. Là, il y a deux bleus. Là, c'est... il y a deux bleus puis un blanc. Si il grab. Unthinkable. Ah, sticky lame. Ben, j'en ai un dans mon sac, là. Bon, ben, Julian, est-ce qu'on était avec moi? Allons, man. Dr. G s'est poussé dans l'adaptateur. He ran the fuck away. On va faire du friendly tantôt. Hein? On va faire du friendly. Clairement, man. Faut juste attendre que, genre. Est-ce que tu rendis des best of three, ça? C'est encore des best of arbre. Je sais pas si c'est encore winner side, je pense que c'est plus loin que ça, mais je sais pas c'est lequel. Je suis. C'est la bombe à gauche. Ouais, je sais, mais. Genre, ici, je sais pas si c'est encore winner side. Je vais demander. Je pense que c'est best of three parce que là, ils jouent encore, à ma remarque. T'sais, ils sont en train de jouer et c'est 2-1 pour Floyd. Non, c'est best of five, pas best of three. Non, c'est ça, best of five, c'est ça. Non, vas-y. Fait que c'est quoi? C'est winner's final? I see the final. Ok, winner's final. Nah. J'en reviens pas, Cyan, t'as même pas checké ça si c'était Winner's Final ou. Ah, il manque un S à. Il y a un S à finale? Ben, Winner's Finals. Ok, là, je m'excuse. Il est pas updaté. Me semble. Je pense que ouais. Ouais, on est tous jamais sûrs là-dessus, man. Ben. Mais là, c'est parce qu'on voit pas la game à cause de ton screen. Merci. Là, t'as un écran dans ta face. C'est vrai, merci. Donc, on. On va sur Unova. Ok, là on va commenter pour vrai. Okay. Fait que c'est 3-3. 5 fois on a perdu une. Fait que c'est plus 3-3. Mais donc c'est 3-3 quand même. Qu'est-ce qui se passe? Donc Floyd qui va avec. qui va aller en stage pour aller chercher Holy One, mais qui ne réussit pas. Ok, là je pense va que. Se faire jab. Je pense que la seule qu'on a revue, il a fait plus agressif. Puis c'est vraiment dit. Il est allé pour le fair off stage avec le mot. Puis c'est vraiment agressif edgeguard. Les deux vont shielder le Sandy Stage, ils vont attendre chacun leur bar, puis ils vont regarder l'autre. Fait des fair. Oh, deux mauves. Fait que, ouais, Oli. Down tilt. Oli qui a le Sandy Stage, là, il peut vraiment pas vraiment avancer. Il est vraiment avec le fair. Bon, le pair. Qui a deux mauves on deck. Et qui se SD. First PR, by the way. Hey, salut Arsenic. Là, c'est moi, Dr. G, mais c'est Boolean qui avait remplacé Dr. G tantôt. C'est ça que tu te demandais. Mais ça a été vrai. Mais on peut laisser Boolean si tu veux parce que là, je choque vraiment. Là. Hey, t'es même pas si mauvais que ça. Mais. Sérieux, les deux, vous êtes genre au même niveau. Les deux, vous allez pas se payer que ça. Sérieux, j'aimerais ça vous voir les deux ensemble, voir ce que ça donnerait. Donc, c'est plus c'est vraiment plus ouais, c'est moi, je suis super. Surtout, j'ai déjà streamé avant. Genre, on va y aller. Holy One, tu vas pour le back throw. Mais c'est parce que t'as envie de regarder la game et tout. Là. Tu sais, genre, tu regardes la game et tu dis rien. C'est genre, wow. Si j'essaie de commenter mais la game, mais genre, comment je connais pas tant. Ah ouais, moi sérieux, là, depuis que je suis en j'apprends tellement de choses, genre qui a le seller stage, qui a l'avantage, qui l'a pas, man. T'sais, genre là, je peux te dire que Oli a l'avantage, never mind. Là, Floyd, non, là, parce c'est, pas mal, c'est pas mal even, là, en ce moment. Non, mais je parle genre. Ouais, le neutral, c'est state, Floyd qui gagne. Le F-Smash qui va tuer. Ok. Oli qui revient, trois beaux Pikmin. Oh, c'est pas si bien. Un bleu, un blanc, puis un mauve. C'est bon s'il peut connecter le blanc pour faire du damage, mais il est déjà mort, malheureusement. Donc le mauve aussi il est mort. What? Je l'ai pas vu mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il s'est suicidé, il a fait mon ami blanc, il est plus là, moi je m'en vais. Genre, ça peut être arrivé aussi. Dans le 4 tilt original, 40%. Moi j'aime les pivots que Floyd est capable de faire. Pivot back air, hein? Ouais. C'est awesome. C'est impressionnant effectivement. Oh! Oh, si ça a pas tué! Allô Luc! Non, si ça avait. Wow! Ok. Wow! Ben 3-0 pour Floyd, c'est simple. Let's go. 3-1 pour Floyd. 3-1, pas 3-0. Je m'excuse là. Allô Lug!